Ah bah là, on vérifie que ça fonctionne. Ça se pilote assez naturellement avec un accélérateur. Lorsqu'on lâche complètement la gâchette, on a un système électronique à bord de la voiture qui fait frein. La gâchette, c'est l'accélérateur et le frein. Et on a ici un petit bouton qui nous permet, lorsqu'on agit sur le bouton, de manœuvrer les aiguillages qui sont tout au long du circuit. J'ai toujours fait un petit peu de circuit comme ça. Et puis là, on a atteint des sommets grâce à la piste bois et puis la reproduction du circuit des 24 heures. Est-ce que la sensation de vitesse est comparable? Ben oui, un petit peu. C'est marrant que c'est ça qu'on retrouve. Tous les pratiquants, on retrouve des sensations, dérapage, maîtriser le dérapage, freinage, accélération. C'est vrai, puis être très, très doux, pas être trop agressif en accélération et tout. Enfin, on retrouve les mêmes caractéristiques, c'est vrai. C'est des puces qui sont comme ça, et ces puces-là sont programmables. On peut lui donner des caractéristiques en termes de vitesse maximum, de courbe de montée en vitesse, de nervosité, de freinage. Oui, je pense qu'on est à 10 km/h, et multiplié par 32, l'échelle, ça fait 320 km/h. Cet après-midi, là, c'est la phase de réglage, mais vous allez piloter comme les 24 heures, départ samedi 15h. C'est des équipes de 4 pilotes, donc il y aura 12 équipes de 4 pilotes, et chaque équipe gère ses temps de relais. Hein. Nous, on va partir, généralement, on fait 2 heures de relais, puis si on voit qu'on fatigue un peu, ben, on raccourcit les temps de relais, parce que plus ça va, plus c'est un petit peu compliqué à gérer. J'ai fait un système pour, où la continuité électrique se passe constamment. D'accord. Et l'information est constamment distribuée en temps réel. Alors j'ai 600, à peu près 600 mètres de câblettes. Et les câbles, je n'ai pas grand-chose. Je dois avoir 300 mètres de câbles. Il vous arrive de piloter de temps en temps? Rarement, très peu. Pourquoi? C'est... Non, si je suis tout seul. Même très très dur à filmer parce que comme vous voyez donc c'est un petit circuit, il nous faudrait beaucoup de caméras, ouais. Mais donc pour faire comme les professionnels, mais c'est pas le cas, donc avec une seule ou deux caméras c'est quand même assez dur à filmer, mais enfin on a quand même le ressenti de la vitesse qui est le but du jeu de ce type d'événement. Thank you.